Alors que je surfais sur le web à la recherche de culture, je zappais entre deux vidéos d'y penser, le site du Louvre, lorsqu'au hasard des recherches, je suis tombé sur le site web jemontremabite.com. Alors, je ne vous cache pas que le nom de ce site m'a étonné. De quoi s'agit-il? De quoi ça parle? Qu'est-ce qui se cache sous ce nom énigmatique? Eh bien, contre toutes les apparences, ce site est une sorte de moteur de recherche de zizi, de bites. Enfin, tu peux chercher des zizi par taille ou par région, et tu peux laisser des coms sur les chiffres qui t'auront le plus étonné, peut-être. Comme si sur Facebook, à 13h, au lieu de commenter des photos de plats de vos amis, vous pouvez commenter leur paire de couilles, finalement. Alors, les photos sont parfois très simples. Le zizi est pris de face ou de côté, sans mise en situation. Mais certains, sûrement dans le souci de donner une indication d'échelle, font des photos très artistiques de leur sexe à côté d'objets, tel un mug ou une horloge. Intrigué, je suis allé lire les commentaires. Que peut-on bien dire à un zizi pris en photo? Alors, en fait, j'ai utilisé un moteur de recherche qu'il y a sur le site. Et j'ai tapé zizi entre 0 et 7 cm pour commencer, parce que ma mère m'a toujours appris à commencer petit. Donc, j'ai commencé à lire des commentaires. Alors, le premier commentaire, c'est un commentaire qui faisait plaisir. Il y avait écrit « Elle est belle ». Sympa. Il y avait aussi un commentaire plutôt communautaire où le gars a dit « Trop belle, j'ai la même ». Sympa. Il y a eu des commentaires aussi plus interrogatifs et qui font moins plaisir, tels « Salut, ça te dérange pas qu'elle soit si petite ?» Ben si, connard. Les commentaires informatifs « Moi, 56 ans, 10 cm depuis ma majorité ». Commentaires géographiques « J'aimerais voir ton gland, je suis du Québec ». Il y a aussi mes commentaires préférés. Ce que j'appelle les commentaires un peu service après-vente. Moi, si j'avais un aussi petit pénis, je le raserais. Parce que là, les poils, ça le cache. Et il ne faut pas parce qu'il est joli quand même. Ou alors le commentaire vraiment sympa. Et pour pisser, comment tu fais? Tu sais, je pense qu'elle serait plus attirante une fois bien rasée. C'est mon point de vue. Hein, car moi aussi, elle est circoncise. Sympa. J'adore ce commentaire. Dommage, photo floue. Pour terminer, le commentaire qui n'est pas que pour les gamers. GG. Voilà. Les filles, ne vous sentez pas mises de côté, car il y a aussi le site « Je montre mes seins » et « Je montre mon minou ». Parce qu'il y a tout sur le web, même si toi, tu n'y avais pas pensé.